Les amis, j'ai une grande nouvelle. Comme vous voyez, Lapo nous a rejoint, Matatogen est chez nous pour l'instant. Vous ne connaissez pas cette base, c'est normal, elle est toute nouvelle, les coffres sont déjà très très pleins. Erreur aussi est là, mais on ne le voit pas. On a déjà commencé à réinstaller les chambres comme on avait fait. Lapo est full diams, il ne vient pas genre juste de démarrer. C'est fou, c'est fou. Et au centre, nous avons notre nouveau spawner. Voilà, on a des ascenseurs. On a deux étages pour l'instant et ça nous suffit. On a mis les spawners sur 4 chunks de façon à ce que ce soit plus optimisé. Ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Et on a une nouvelle sortie parce que la base est à la couche 242. Merci. Voilà, et... ce qui nous a pris énormément de temps. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il n'y a plus rien. Vous voyez l'écriture Horror Team, qui est d'ailleurs fait pour être lu dans l'autre sens. Dans l'autre sens parce que à la base c'était sur le sol de la base. Merci à tous les membres de la Horror Team qui ont donné beaucoup beaucoup de leur temps pour permettre de virer toute la terre, toute la pierre, tout l'andésite, granit, diorite, etc. Et tout l'obsidienne de la base et toute la base. Merci à vous. Grâce à vous, nous avons désormais une base qui vole et qui est beaucoup plus protégée. C'est pas tout à fait fini. Il faut qu'on vire les murs d'eau. Les autres murs d'eau ont déjà été remis. Qu'on vire une partie du champi, je sais plus où, et qu'on continue à casser des chunks. Mais c'est déjà énormément avancé. Merci beaucoup à vous. Je vais pas vous montrer toutes les péripéties de cet épisode, mais il faut savoir que ça fait plusieurs jours et plus d'une dizaine d'heures pour ma part que je travaille sur ce projet qui était de reconstruire la base. Je suis désolé, ça fait un épisode plus court que d'habitude, mais croyez-moi, ça va nous servir cette nouvelle base.